Salut tout le monde, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui contre E4? J'ai plus difficile sur ce que j'ai joué la dernière fois, ça devait être la partie italienne la dernière fois qu'on a joué E4. Alors là, il prend un mauvais départ, mais c'est vraiment pas si simple de réfuter. Je sais que ça, c'est la réfutation. Après, bien sûr, on attaque la dame. On menace aussi ça. Est-ce que je me serais pas déjà planté? Moi, je joue très souvent sur internet cette ouverture toute pourrie. Comment il défend maintenant? F2, C2, pardon, et attaquer deux fois. Ah, je pense qu'il est déjà, il est mort. Fait la fourchette. Il a aucune compensation. S'il fait échec, je m'en fous. Je regarde juste s'il n'y a pas encore mieux. Parce que fou prend C2. La dame n'a pas énormément de cases. Elle a que là et là. Et ensuite, faut. Parce que si je fais ça, il y a échec déjà. Il va jouer ça. Peut-être qu'il y a même un mat quelque part. Ça a l'air tellement puissant. Si je reviens, il revient. Si je viens ici. Échec. Roi E2. Fou G4. F3. Madame est un peu loin pour continuer à faire échec. Ah non. Ah mais non, c'est fini. Échec, il vient là. Mat. Madame est protégée. Donc il est obligé de donner la dame. Bien fait de réfléchir. Ah, une partie miniature en 9 coups contre un 1900. Ah, je vous avais dit que c'était tout pourri son ouverture, mais je pensais pas à ce point-là. Parce que combien de fois on m'a joué ces trucs-là en blitz et. Je connais les coups, mais après, c'est pas si simple de concrétiser. Tiens, on va l'ajouter au favori. Et ben là, cette partie. Comment dire, elle rattrape psychologiquement toutes celles que j'ai perdues avant. En fait, c'est un gambit dans le scandinave. On a un pion d'avance. Et bon, il y a sûrement plusieurs façons de réfuter. On voit déjà qu'aucun maître le joue. E5, c'est intéressant ça, E5. Wow. On a un pion de retard, mais on a une position de rêve, quoi. Un tel avantage développement et de centre, mais c'est même pas ça que je joue. C'est ça, on défend avec le fou avant de défendre avec le cavalier, un peu comme dans le Gambit de Budapest, qui est un peu symétrique. Enfin, ça ressemble un peu, mais parce que voilà, il peut jouer fou C4 et donc faut pouvoir bloquer avec le pion. Mais c'est bien d'avoir mis le fou ici avant de jouer E6 pour que le fou puisse participer à la défense du pion. Donc là, il attaque le pion à nouveau, je le défends, il attaque à nouveau. Donc on dirait qu'il va le reprendre. C'est vrai, il peut le reprendre. Mais l'ordinateur déteste. Et donc là, le coup, ouais, c'est effectivement d'attaquer la dame. Et ce qu'il a fait, ça marche absolument pas. Puisque maintenant, ce pion-là est fichu. Avec la fourchette. La dame est attaquée, enfin, tout s'écroule. Il peut venir là avec la dame, mais ouais, j'ai la fourchette. Suis même pas sûr. Enfin. J'ai une tour d'avance, c'est pas compliqué.
Et s'il prend ça... Je sais pas trop comment la partie continue. Mon cavalier, faudra quand même essayer de le sauver. Mais bon, on a au pire du pire du pire une qualité d'avance. L'ordinateur dit moins 5, donc ça doit être encore mieux. Et donc là, merci d'avoir libéré mon fou. Et là, c'était bien le premier coup qui me venait à l'esprit. Je me disais, ça va faire une fourchette et je vais gagner à tour. Après, je me suis dit, tiens, si on prend avec le fou, la dame n'a pas 1000 cases de retrait, donc regardez s'il n'y en a pas moyen de la capturer. Je m'étais dit, je peux jouer ça, ouais. Je peux la réattaquer. Et après, et puis finalement, après, je me suis rendu compte que non, il fallait prendre avec le cavalier d'abord. Parce que sur Roi ici, tiens, est-ce qu'on va trouver une menace de mat? Trouver une combinaison de mat. En fait, c'est pas bien dur, c'est mat en un coup. J'ai pas tout de suite vu à ce moment-là. J'ai toujours du mal quand il y a une pièce en travers, de voir que la dame peut aller là au coup suivant. Mais bon. On a bien vu cette fois-ci. Et la seule solution à ce moment-là, c'était de donner à la dame. Mais voilà, bon, c'est désespéré. Ok, 9 coups. Joli, avec les noirs. Et on voyait que quand on est 1900 sur Lee Chess, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas... 1900, on fait encore des grosses, grosses, grosses erreurs, je trouve. Entre 2000 et 2100... J'arrive à gagner de temps en temps parce qu'ils font aussi des erreurs, pas aussi grossières, mais. Par contre, au-dessus de 2100, alors là, ils font plus de gaffe. C'est très très rare. Ou alors, faut vraiment leur mettre la pression ou quoi pour que ça craque. Au-dessus de 2100, c'est quand même un palier pour moi, je trouve. Ok, ben. Enfin une victoire! Je sais pas trop où j'en suis dans mes dernières parties, mais c'était pas glorieux. J'en ai joué beaucoup aujourd'hui. Celle-là n'a pas eu lieu. Les trois dernières. Il y en a une qui était pas en vidéo. Ouais, beaucoup de défaites. Mais j'ai joué beaucoup de joueurs au-dessus de 2000 aussi, donc. C'est pas si mauvais. On continue de naviguer entre 1900 et 1950 en classique. Faut que je fasse plus d'entraînement tactique pour progresser, je pense. Voilà, voilà. À bientôt, les amis, salut!